when she's with me. We're like superstars. Windows roll down, radio on. I think we could go far. We don't need money. We can skip that part. All I want is her to be with me. She's got a ticket to my heart. Don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun, 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to make a move. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo tant attendue. C'est donc la partie 2 du vlog week-end super chargé avec Olivia. Donc je vous l'avais laissé sur un petit moment de suspense juste avant que j'avais monté El Chic. Voilà, je vous avais juste mis le petit bout où j'ai préparé. Là, ça y est, du coup, on se retrouve directement à la détente. Je vais pas non plus faire durer le suspense 300 000 ans. Donc du coup, nous voilà à la détente. Donc bah... détente assez classique, pas trop galop, pas trop long comme d'habitude. Moi, c'est pas trop mon kiff de faire détendre les chevaux trop longtemps. Après, on saute un peu et ensuite en piste. Bon allez, c'est parti, on part sur le tour. Alors, pour vous mettre un petit peu les idées en place, parce que ça peut s'embrouiller un petit peu, et je le comprends très bien. Donc, avec Elchic, là, je faisais une warm-up sur 115 cm. Pourquoi une warm-up et pas une vraie compétition? Alors, déjà parce qu'elle a 7 ans, et que du coup, ça n'aurait pas été possible de le faire sur ce type de concours-là, donc les cycloclassiques, puisque les 7 ans sont sur les TDA. Mais également parce que en ce moment, bah, pour certains, vous le savez peut-être déjà, mais d'autres, peut-être que non, en ce moment, les amateurs n'ont pas le droit de concourir, en fait, tout simplement. C'est pourquoi Olivia et ma maman, qui sont considérées comme professionnelles, ont eu le droit de faire le concours, et pas moi, parce que je n'ai que 14 ans, donc je suis encore amateur. Mais super gentiment, le concours m'a laissé donc faire une petite warm-up à la fin, sur le tour des 6 ans, avec 2 trous de plus, donc 115. C'était super sympa, parce qu'elle sait que j'ai jamais monté en concours, et normalement, dès que les concours réouvrent, bah, je vais aller en concours, soit du coup, ça veut dire ce week-end, donc c'est super cool, j'ai trop hâte, mais du coup ça m'a aussi permis de la voir sur le tour et elle était géniale. Voilà, donc je suis super fière de ma petite Elchic, franchement elle a fait ça haut la main, elle avait aucune difficulté, elle avait peur de rien, elle était super sereine, super calme et voilà quoi, ben, franchement je suis trop contente et j'ai vraiment hâte de la monter en concours. Une fois que j'ai fini le tour d'Elchic, on a remballé tout ce petit monde et on est reparti direction la maison. Une fois arrivé, on a donc déchargé les chevaux, enlevé leur protège, on s'en est occupé un peu, on les a remis au paddock. Enfin bref, vous avez compris quoi, toutes les choses qu'on fait d'habitude quand on débarque les chevaux pour qu'ils soient bien et qu'on les mette bien, les recouvrir, les mettre au paddock, qu'ils profitent, etc. Ensuite, on leur a donc donné un petit jour de vacances le lendemain à tout le monde. Ça a fait du bien, ça les a laissés se reposer. Et ensuite, bien, du coup, le surlendemain, eh bien, Olivia est revenue pour prendre un cours avec nous. Donc la voilà dans la carrière. Bien évidemment, on n'allait pas sauter parce que on voulait faire un truc tranquille pour remettre les chevaux tranquillement en route. Donc du coup, on a fait juste une petite séance de plat et ça s'est super bien passé. Alors moi j'ai monté Philae et j'ai fait la cordelette, donc on le voit pas sur les images parce que c'est moi qui filmais et du coup bah je me suis pas filmée moi-même. Mais du coup je vous montre juste les images de Olivia et sa ponette. Et ensuite super gentiment, Olivia m'a prêté Gazelle, c'était vraiment super cool, franchement j'ai adoré. Elle était super gentille, super mignonne, c'est vraiment une super bonne ponette, elle a des allures très confortables, on est très bien dessus. Elle est très gentille, elle a toujours envie de travailler, on le sent, et ça m'a fait super plaisir qu'elle me la prête, franchement c'était très très gentil à elle. Summer sun 2009.
Et après ça, on en a profité pour aller faire un petit photoshoot avec les deux licoles, les poneys de Zoé, parce que Olivia, elle aussi, a le licol, ça va super bien à la gazelle, d'ailleurs les couleurs sont juste magnifiques sur elle, donc du coup, on s'est dit que ce serait sympa de faire ça. Olivia, quand elle était là, elle m'a également aidé à filmer un petit clip pour Magic Tech. Magic Tech, vous en avez déjà parlé, ce sont des frontaux interchangeables, comme ça on peut sortir un petit peu avec toutes les tenues, c'est super sympa. Bref, je vous ai glissé ça dans le clip, vous allez pouvoir le voir, donc je vous laisse avec ça. Et puis bah, je tiens encore une fois à remercier Olivia de m'avoir aidé à faire ça. I wish you'd stay, but there you go. I have so much I wanna say to you, much I wanna say, but there's no time. We used it all. Still have so much I wanna talk about, but I messed it up and there you go. Oh, 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 oh. There you go walking out that door. It felt so close. Oh, 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 close. Oh, oh, closer than it felt before. Forgiving me, and I just want you to know I didn't mean it. Baby, I just wanna be with you. I should be with you. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo et je te souhaite un bisou.